Vas-y. Tu viens, rentre. Allez, viens. Monsieur, le joli, le très beau. Nicolas, alors, on sort ce soir? Non, on sort pas, on rentre. Tu viens? Lâche-moi. Bon, tu te calmes, ok? Parce que je sais pas si t'as vu dans quel état tu es, mais... Allez, viens. C'est comme ça que tu t'amuses maintenant? Vas-y, on va prendre l'air. Mais lâche-moi! J'ai pas le droit de me toucher comme ça! Et toi, tu laisses tranquille, ok? Allez, viens, Lélie, rentre. Je t'ai dit de la laisser tranquille, tu vois pas que t'es plus sur l'affaire, là? C'est moi qui ai expliqué, là! C'est gentil, tu les lâches, ok? Oh, c'est plouc alors qu'ils comprennent pas qu'ils ont perdu l'affaire! Oh, tu t'accroches encore à des filles! Allez, viens, ma fiche. On va faire bien. Je t'ai pas dit de les lâcher. Si, si, y a un problème. Tu l'as lâché tout de suite. Allez, viens, on y va. Et toi, mon qui tu te prends, là? Tu vas la laisser, ouais? Hélène, on pourrait dormir quand même, il est 2 heures passées. Bah dors si tu veux, toi, moi j'ai pas sommeil. Enfin, tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'elle soit pas encore rentrée? Je sais pas, elle doit être avec Sébastien. Mais non, non, d'habitude elle nous appelle pour pas qu'on s'inquiète. Bah elle a dû oublier, elle est tête en l'air en ce moment. Alors. Ouais, peut-être. Que t'écoutes comme cassette? Oh, ça, c'est les chansons que Thomas Favre me fait écouter en ce moment. Ah ouais, elles sont comment? Ouf. Tu veux écouter? Je peux, ça t'ennuie pas? Non, tiens. Si t'as pas peur de te faire mal aux oreilles. D'accord, merci. Ah, mais c'est complètement nul! T'écoutes pas la suite? Oh non, 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 c'est trop horrible. Ah, j'ai jamais écouté des trucs aussi nuls. Ouais, et encore? Ça, c'est une sélection d'une sélection des meilleures chansons. Alors, t'imagines le reste. Ma pauvre Hélène, je sais pas comment tu fais pour écouter des heures ces trucs-là. C'est facile, je pense à autre chose. Je pense à vous, je révise mes cours. Bah, remarque, t'as raison. Hein. De toute façon, ils ont rien à te reprocher. Hein. T'as été plus que correct avec eux. Ouais, mais enfin, j'aimerais bien que ça se finisse bientôt, cette histoire. Mais tu sais, si la chanson de Nicolas est aussi bien que tu me l'as dit, vous devriez la proposer à Thomas Fava. Ouais, mais Nicolas, il veut la garder pour lui, sa chanson. Puis il a bien raison. Bon, écoute, Hélène, Nicolas est bien gentil, mais quand on compose des chansons, c'est pour les faire écouter aux gens, non? Non, mais là, c'est pas pareil. Sa chanson, elle est trop... personnelle. Comme vous voulez, après tout, c'est votre problème. Bon alors, qu'est-ce qu'elle fait? À mon avis, là, elle doit être en train de faire des gros câlins avec Sébastien. Est-ce qu'elle devait le voir? Je sais pas où tu veux qu'elle soit. Hélène, pourquoi tu t'inquiètes autant pour la lire? Tu me caches quelque chose? Non, non, je sais pas, ça doit être la fatigue. Tiens, je suis sûre que c'est elle. Allô? Ah, Olivier? Ben non, non, Lali a pas appelé, non? Ben non, non, elle est pas là. Ben oui, on commence à s'inquiéter. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ok. Ok, Olivier, tu me tiens au courant, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Lali. Elle est passée voir les garçons. Elle voulait voir Sébastien, lui faire la surprise par la gouttière. Et puis quand elle est arrivée, ben, il était pas là. Oh non. Bah si, hélas. Bah, après, elle est repartie comme une furie par la fenêtre, en disant « Ok, j'ai compris ». Et puis Nicolas, il est parti derrière elle pour essayer de la rattraper. Ça s'est passé vers quelle heure? Ben, minuit, je crois. Et Sébastien, elle était où? Olivier sait pas. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui a pris à Lali de faire ça?
Oh, je sais pas, mais... Oh, pourvu qu'elle fasse pas de bêtises. Allez, calme-toi, c'est fini. Pleure pas, Lali, s'il te plaît, pleure pas. Je peux pas, je peux pas. Allez. Arrête. C'est pas joli quand tu pleures d'abord. C'est pas grave, j'ai besoin de pleurer. Oh là là. Arrête. Hein? Donc là, tu veux pas me dire où est Sébastien? C'est pas, je veux pas, je sais pas où il est. Je suis sûre que tu sais avec qui il est. Mais non, allez, arrête. Chut, 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 chut. Tu te calmes, hein? Tu sais, si tu es mon meilleur ami, tu dois me dire où il est. Je te l'ai dit, je sais pas. Je suis sûre que tu sais. À chaque fois que vous avez un problème avec l'une d'entre nous, vous le dites toujours. Tu vois, tu dis rien. Mais parce que j'ai rien à te dire. Lali, je ne sais pas où est Sébastien. Je ne sais pas. Mais t'aurais dû me laisser au Nélise, alors. Au moins, j'aurais pu m'éclater. Puis je me serais vengée, tiens, voilà. Te venger, mais de qui? De Sébastien, bien sûr. Mais ça t'aurait servi à quoi? Ça m'aurait soulagé. Lali. Avec les gens stupides et méchants qui aiment se venger. Alors que toi, t'es une des filles les plus gentilles que je connaisse. C'est pas vrai. Puis de toute façon, quand on a mal, on peut devenir très stupide et très méchante aussi. Mais pas avec Sébastien. Tu l'aimes, tu sais que tu l'aimes. Bah oui, je l'aime. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça, moi? Dis-moi, Lali, tu t'es jamais demandé si ces derniers temps, Sébastien ne s'était pas senti un peu seul? Tiens, ça c'est marrant. Tu penses ça toi aussi? C'est qu'il a dû te le dire là. Tu crois que j'ai trop négligé, c'est ça? Je crois rien du tout, mais je sais que Sébastien est un garçon sensible. Et toi, t'es un gros bébé capricieux. Il peut avoir tendance à oublier qu'il existe. Mais non. Je sais bien qu'il existe. Le problème, c'est que quand il est là, bah, j'y pense pas, c'est tout. Mais oui, mais l'amour, ça s'entretient au jour le jour. T'as raison. T'as raison. C'est de ma faute. Mais tu vois, c'est marrant, je m'en étais aperçue. Mais j'avais décidé de tout laisser tomber pour lui. Mais peut-être qu'il faut lui laisser le temps de s'en apercevoir à son tour. Et tu crois qu'il va s'en apercevoir? Ça dépend de toi. T'inquiète pas, je vais m'arranger pour qu'il s'en aperçoive. Par contre, je te fais confiance. Bon, maintenant que j'ai compris tout ça, tu veux pas me dire où il est? Je sais pas où il est. Non, c'est bon, je te crois. Allez, on va se coucher maintenant. De dos! Ouais, en plus, je crois que j'ai un petit peu trop bu et... Oula. Et j'ai vraiment sommeil. T'es vraiment un gros bébé, toi, hein? Allez! Allez, on y va. Nicolas? Ça y est, tu l'as retrouvé? Ouais. Elle est au Nélise. Au Nélise? Bon, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Oh, elle avait bu, elle dansait avec des abrutis. Ah ouais, d'accord, elle était saoule, quoi. Non, pas vraiment, mais enfin, tu sais comment ça se passe. Il y avait 3-4 types autour d'elle, et puis j'ai eu un mal fou à la sortir de là. Heureusement, Victor est venu m'aider, c'est le portier. N'empêche qu'on a frôlé la bagarre générale. Ah bah d'accord, je vois le genre. J'espère qu'au moins t'as réussi à la calmer. Ouais. On était allé au garage, discuter, tout ça, et puis bon, comme ça allait mieux, je l'ai raccompagné à sa chambre. C'est dingue cette histoire. C'est complètement fou. Pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça? Bah écoute, mets-toi à sa place. Elle débarque ici, aux alentours de minuit, pour trouver Sébastien, elle le voit pas. Comment t'aurais réagi, toi, hein? Ouais, remarque, c'est vrai. En fait, il a pas appelé? Non, toujours pas de nouvelles. Puis il est déjà 3 heures, hein. Bon sang, bon sang, bon sang. Mais pourquoi rien n'est simple? C'est pas vrai, ça. C'est vrai qu'en ce moment,
On n'avait pas besoin de ça. Avec vos histoires de contrat, là, ça nous suffisait. Oui, les histoires de contrat perdent de leur importance à côté des histoires de Sébastien et d'Ali. Dis-moi, au fait, Sébastien, tu crois qu'il a fait des bêtises? Non, mais non, je crois pas, non, je sais pas. Bah, dormez pas encore? Ah, te voilà. Bah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lali est venue te voir ce soir. Bah, quand ça? Tout à l'heure, là? Mais il devait être minuit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle avait tout compris, elle est partie. Hein? Quoi? Non, bah attends, elle est où, là, maintenant? Elle est où? Non, mais calme-toi, Sébastien, calme-toi. Nicolas l'a rattrapée et il l'a ramenée chez elle, donc ça va. Merci, Nicolas. Elle dit quelque chose? Pas bien, tu sais. Pas bien du tout. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Mais pour l'instant, pas grand-chose. N'empêche que tu ferais bien de te poser la question. Tu étais où? Tu pourrais nous le dire? Bon. Tant que tu saches, toi aussi. J'étais avec Linda. Ça te sert à quoi de pleurer? Ah, quoi ça me sert de pleurer? Sébastien passe la nuit avec une autre fille et toi tu me demandes à quoi ça sert de pleurer? Hein? Mais qui t'a dit qu'il passait la nuit avec une autre fille? Pourquoi est-ce qu'il m'aurait menti sinon? C'est vrai, pauvre petit, il était fatigué, il avait envie de dormir tôt. Peut-être qu'à minuit, il a eu l'idée subite d'aller faire un petit tour au bord de la Seine pour voir les petites péniches passer. Hein? Pauline, s'il te plaît, aide-moi parce que là, je sais plus quoi lui dire. Oh, Lali, calme-toi. Parle à Sébastien au moins avant de te mettre dans cet état. Oh, je veux plus lui parler, je veux plus jamais lui parler. Mais Lali, il a le droit de sortir quand même. Non, pas quand il me dit qu'il est fatigué et qu'il veut se coucher tôt, enfin. Hier soir, t'es pas sortie, toi? Si. Si je suis sortie, c'était pour me venger. Ouais, calme-toi, allez. Non. D'habitude, il me dit toujours tout. Puis là, là, vous vous rendez compte, il m'a menti. Lali, il était peut-être vraiment fatigué, et puis ça lui est passé, alors il est sorti, ça arrive, non? Non, non, moi je suis sûre qu'elle était avec une autre fille. Mais ça, c'est de ma faute. C'est parce que je l'ai laissée seule trop longtemps, voilà pourquoi. Bon, arrête, Lali. Non, j'ai pas envie d'arrêter. Je pardonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Allô? Ah, Sébastien? Je vais pas lui parler. T'as compris? Je veux pas lui parler! Bon, Lali, tu crois que c'est la bonne solution? Non seulement je veux plus lui parler, mais en plus je veux plus jamais le voir! C'est clair, non? Mais Lali, réfléchis! Tu vas voir si c'est pas réfléchi ce que je vais faire. Sébastien, je te quitte! C'est malin, regarde ce que t'as fait! Sale enfant gâté! Ouais, de quoi tu te mêles, toi? Hein? Mais Lali! Non, laissez-moi tranquille, je veux plus vous voir, je veux plus jamais vous entendre! Laissez-moi seule, j'en ai assez maintenant! Il a passé la nuit dans les bois d'une autre fille. Il m'a trompée. Et voilà. Vous savez tout. Et moi, je sais plus où j'en suis. Non, mais attends. Tu viens de nous dire que t'aimais Linda. Je sais pas, moi, ça me paraît clair. Bah oui, jusqu'à hier soir, c'était très clair. Mais là, je sais plus, là. Oui, non, mais qu'est-ce que tu sais plus? Mais tu comprends, quand Nicolas et Olivier m'ont dit que Lali était passée hier soir dans la chambre et que j'étais pas là, donc elle a pas pu me voir, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quand même attaché à elle. Un petit peu trop tard, malheureusement. Donc, si je comprends bien, tu tiens aux deux, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, c'est très compliqué, tout ça. Bah oui, mais c'est pas de ma faute non plus. Je t'assure que je pensais que j'aimais que Linda. Et je sais pas, Lali, tu lui as parlé au moins? Ouais, enfin non. Enfin, j'ai essayé de l'appeler, elle m'a raccroché au nez. Est-ce qu'au moins tu lui as dit que t'étais amoureux de Linda? Non. Non, mais elle sait que je la trompe avec quelqu'un. De toute façon, je peux plus lui mentir maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Hein?
que je peux faire? Écoute, Sébastien, laisse déjà passer un peu de temps, hein, tu verras plus clair. Bah à quoi ça va me servir de voir plus clair? De toute façon, on va avoir de la peine. De me prendre pour un monstre, hein. Mais je pouvais pas savoir, moi, qu'on pouvait aimer deux filles en même temps, Malheureusement, c'est pas possible. Ce genre de truc, ça arrive tous les jours. Mais comment ils s'en sortent, les autres? En gâchant la vie des deux personnes qu'ils aiment, c'est ça? Mais attends, Sébastien, mais rien dit que tu vas gâcher leur vie, enfin! Mais si, bien sûr, écoute. Elles-mêmes, toutes les deux, forcément, elles vont être malheureuses. Mais écoute, t'as qu'à faire ce que t'as dit, Olivier. Hein? Tu laisses passer un peu de temps et tu verras bien. Ouais, t'as raison. Bon, répète un peu, là, ça va me changer les idées, comme ça. Ouais. Ok, on y va. Tant pis pour José. On commence sans lui. Bien, José, on commence à être habitué, c'est retard, de toute façon. Ah, mais non, en fait, j'ai complètement oublié de vous dire. Bah quoi? Bénédicte est venu me voir tout à l'heure, il est grippé, il peut pas venir. Oh, bah tiens, c'est comme Rosie. Elle est toujours au lit. Ah ouais, elle a 42 fièvres. Pff, au moins, je suis tranquille pour la journée. Sale menteur. Je suis sûr qu'elle te manque. Écoute, honnêtement, c'est vrai que je l'adore, Rosie. Ouais. Hein? Bon, mais quand elle vient pas, bah, ça me fait un peu d'oxygène. Ouais. Oula. Oh, salut les minous. Non mais Rosie, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu dans quel état t'es? Eh ben oui, j'ai la grippe, bon, c'est... Vous inquiétez pas, je suis pas contagieuse, c'est fini, hein. Rosie, pourquoi tu t'es levée? Mais parce que tu manques trop, mon yo, tu comprends la maladie, d'accord? Mais me passer toi, pas d'accord. Dis-moi, Rosie, c'est pas très prudent de sortir en cet état? Nicolas. Nicolas. L'amour, c'est plus fort que tout, hein? Tu connais la dame Camélia? Ouais, bah moi, c'est pareil. Si je dois mourir pour mon yo-yo, c'est quitter le monde, destin. D'accord, Rosie. Écoute, c'est très gentil, mais en attendant... Ah, va donc grimper sur ton flipper. Non, il n'en bouge plus, il ne fait pas un bruit. Bon, d'accord. Au moins sur mon flipper, je peux te regarder. Tu comptes, Christophe? On va peut-être y aller, là. Allez. 1, 2, 3, 4. Tu crois pas que t'en as commandé un peu trop, là? Mais non, pas du tout. J'ai besoin de manger pour récupérer. Bon, enfin, là, tu vas avoir une indigestion. Tu vas finir ta journée au lit. Mais enfin, les filles, regardez-moi. Je suis en pleine forme. Et ça tombe bien, parce que j'ai plein de choses à faire, tiens. Ah bon? Et tu peux nous dire quoi? Par exemple, je vais me manger. Arrête de dire des bêtises. Ce sont pas des bêtises du tout. Bon, écoute, là, t'es encore sous le choc. Alors, si tu veux te venger, attends moins d'avoir les idées claires. Mais non, les filles, regardez-moi. Je suis en pleine forme. J'ai passé le cap. J'ai les idées claires. Et ça tombe bien. Parce que je vais me venger. Je te promets que tu vas faire des bêtises. Mais non. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire que je fasse des bêtises? Tout le monde en fait, Sébastien le premier. Alors pourquoi pas moi? Mais parle-lui au moins avant de faire quoi que ce soit. Lui parler. Mais c'est pas une mauvaise idée. De quoi est-ce que je vais lui parler? Je vais lui parler du fait qu'il m'ait trahi. Oui, c'est pas mal ça. Oh, tu m'énerves quand t'es bête comme ça. Oui. Merci Hélène, je savais que tu n'étais pas vraiment mon amie. Mais enfin, c'est pas grave, hein. Je vais passer au-dessus de ça. Oui, je suis ton amie, c'est pour ça que je te dis ça. Alors sois intelligente, arrête de penser qu'à toi. Oui, tu as raison, il faut que je pense à quelqu'un d'autre. Bon, alors à qui je vais penser? À la fille qu'il a dans les bras en ce moment. Pas mal comme exemple, hein? Tu vois, Hélène, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est vraiment me venger. Je vais le faire, je vais le faire. La première chose qu'il faut que je trouve, c'est... Avec qui il m'a trahi? Là-dessus, j'ai ma petite idée. Tu sais, Lali, tu devrais écrire des romans. Je suis sûre que tu auras un succès fou. Dis-moi, Adeline, tu sais que je ne suis pas encore complètement idiote, c'est vrai? Je sais encore penser. Oui, ben, en attendant, calme-toi. Tiens, ben, il y a Manu qui arrive. Et puis lui, il n'est pas censé être au courant de nos petites histoires. Oh, mais c'est pas grave. Moi, je l'aime bien, Manu. Salut. Bonjour. Salut, mon petit Manu. Alors, comment tu vas? C'est bizarre, hein?
Ça fait plusieurs fois qu'on te voit et... T'es sans ta petite Linda. Vous êtes en France, maman? Non, non, elle est partie une semaine en Allemagne pour faire des photos. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dis-moi, mon petit Manu, toi qui connais si bien Linda. Ça fait... Depuis combien de temps qu'elle couche avec Sébastien?